À ma gauche, on a Travis Scott. Enlève le bonnet, il faut que t'enlèves le bonnet. Vous avez compris, hein. De l'autre côté, on a... Pepito. On a Pepito. Le Mexicain. Ensuite, là, on a Kinder Pinguin. Wouh, il est là. Là, on a Nachimut. Nachimut. Et là, il y a... Le nain. Non, c'est pas, wesh, le pauvre. Le filou. Le technicien, parce qu'il est technique un peu. Oh punaise, le technicien, t'as un problème. Et là, c'est pas ton surnom? Moi, je pense. Ah, il a cru esquiver. Le capitaine. Le capitaine, oh. Ah, bah vas-y, moi, je suis le capitaine, hein, ça me va. Ok, bonjour, monsieur capitaine. Voilà, bonjour. Du coup, votre team, comment elle se passe? Elle se tient bien? Oui, ça se tient bien, ça va. Ils sont plutôt performants sur le terrain. Donc, aujourd'hui, vous avez intégré l'Académie de football. Donc, de l'équipe niçoise. Concrètement, quels sont vos objectifs réellement dans le milieu du football? De progresser. Dans la progression, dans quel but? De pouvoir... Espérer atteindre des niveaux au-dessus. Ouais, des niveaux supérieurs. Devenir pro carrément. Devenir pro, viser plus haut, s'améliorer, être à 100%. Donc, selon vous, on va faire un petit débat. Parce que M. Théo là-bas... Il y a les débats. Donc, que faut-il pour devenir professionnel de football, selon vous? La technique. Alors, on va commencer par Benjamin. Une bonne alimentation. Une bonne alimentation, ok. Ici. Un bon... Je sais pas, moi. Faut être fort sur le terrain, déjà. Hein? Une routine. Okay. Bah avoir la technique, être bon mentalement, garder son calme. C'est déjà mieux. Musclé, il a dit musclé. De la vitesse, de la technique et du respect déjà. Ah. Arracher des jambes. Toi, c'est... savoir communiquer sur le terrain. Ouais. Et voilà. Bien. Faut être discipliné et rigoureux dans le jeu. Très bien, mais là. Avec toutes vos réponses, ça fait la réponse. Moi, selon moi, parce que c'est pas une science exacte, ce que je vais vous dire, pour réussir au football, il y a beaucoup d'arguments. Donc déjà, la tête. Parce que la tête, c'est 80%. C'est ce qui peut fonctionner. Hein? 80-20. Ouais, il connaît. Il y a un 80-20, vous l'avez déjà entendu, celle-là. Ouais, 80 et 20% sur le... 80, c'est là-dedans. Donc, dans la tête, il y a quoi? Coordination, le sérieux, l'application, le respect, on l'a dit. Le travail, il y a beaucoup, beaucoup d'arguments. Et le chiffre, le pourcentage de réussite pour les jeunes qui finissent professionnels, il est vraiment faible. Donc moi, je ne vais pas vous vendre du rêve ou vous dire que vous allez finir professionnel. C'est peut-être le cas, ou peut-être pas. On ne sait pas, parce que vous êtes encore jeune. Mais si vous vous donnez les moyens, c'est-à-dire travailler correctement, avec le sourire et progresser dans le respect comme l'a dit mon petit Théo là-bas. Hein, je pense qu'il y a de belles choses qui peuvent se remettre à vous, même des autres opportunités que professionnelles. Donc pour ce débat, voilà, vous avez ma réponse à peu près. Ensuite, pour vous, tactiquement, comment devrait se comporter un attaquant? Il devrait être... attaquant, il doit réussir à se démarquer, proposer des appels, éliminer les défenseurs et avoir une bonne finition. Ouais. Aussi un attaquant, ça doit apprendre à passer avec ses partenaires, s'entendre sur le terrain, avoir un bon jeu. Très bien. Créer des espaces aussi. Créer des espaces, ok, ouais. Quelqu'un d'autre a quelque chose à me proposer, parce qu'il y a des attaquants là, ici, là-bas. Oui. Alors on va parler à toi, on va te demander. Bah, un attaquant, déjà, il faut avoir la vision de jeu pour ensuite repartir. Et voilà. Et voilà. Il y a surtout la rapidité, la finition et la technique, parce que si on a un attaquant qui ne sait pas dribbler, ça va être compliqué de marquer. Benjamin, t'en as bien à dire? Quelque chose à dire, Benjamin? Après, Olivier Giroud. Ouais. Il marque quand même, Olivier Giroud. Ah ouais, c'est vrai. Oui, une technique un peu, Olivier Giroud. Il n'est pas rime. Oui, mais pas en dribble. Ouais, j'ai mis. Ça va. C'est des... comme ça. C'est un bel attaquant. Des ailes de pigeon. Non, mais c'est un buteur, Giroud, c'est pas pareil. C'est un bel attaquant. Pardon, le bien.
Nul. Il y a plusieurs types d'attaquants. Il y a des types d'attaquants qui vont essayer de trouver le d'être dans le dos des défenseurs. Il y en a d'autres qui vont attendre la balle et directement tirer. Ok. Moi, selon moi, un attaquant, il doit être fort maintenant. Parce que s'il ne marque pas les occasions et qu'il perd en confiance, malheureusement, il ne pourra pas marquer les buts. Et il faut que ses coéquipiers l'aident aussi. Comme tu as dit, il faut qu'il dribble bien, etc. Mais bon, il a beau dribbler, et s'il n'est pas aidé, il ne pourra pas marquer. Oui, c'est pour ça qu'on a, à la base, enfin, dans une composition... Vas-y, les gars, rentrez dans l'interview. Hein. Dans une bonne composition, c'est pour ça qu'on fait... Bah, une composition que moi, j'aime bien, par exemple, c'est le 4-3-3. Hello. Qui consiste à avoir 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Du coup, 4-3-3. Et du coup, 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants. Et puis comme ça, au moins, si un attaquant il dribble et puis il est à la surface, il peut centrer, il a laissé 2 autres coéquipiers qui peuvent rattraper tout ça. Okay. Qui veut le micro ? Alors, on a qui ? On commence par qui là ? Vas-y. Je m'appelle Max Aaron, j'ai 12 ans, je joue au foot depuis tout petit, mon poste c'est attaquant et mon surnom c'est le Sharkler qu'on m'a donné à l'académie, mais je sais pas trop pourquoi, parce que j'ai fait un petit tacle à quelqu'un, mais c'est arrivé un peu pas trop. Pas un petit tacle, hein. Bon, et c'est tout, voilà. Ok, très bien, je passe le micro au suivant. Salut, moi je m'appelle Maël Goll, je joue au foot et mon pote c'est attaquant gauche. Et voilà. Et alors comment vous le trouvez sur le terrain, les gars? Franchement. Pas bien, ça va. Hein? Il joue bien quand même, ça va. Ouais, ça va. Il jouait pas en club l'année dernière. Hein? Il joue pas en club du tout. Hein? Non. Je joue à l'Angleterre. Franchement, dites la vérité. Tu joues en club alors? Comment vous le trouvez? Non. Pas mal. Bien. Pas mal. Je joue bien. Merci, merci. Après, il a du niveau quand même. Il progresse dans l'académie. Ouais, oui. Bon bah je passe le micro à... Non, t'as la pression là, on va te laisser tranquille. Ouais. On commence par qui là? Lewis. Ouais. Allez, je vais te présenter là. Bonjour, je m'appelle Lewis, j'ai 11 ans. Je joue attaquant, je joue des deux pieds. Mon club c'est... Attends, est-ce que c'est vrai ça? Ouais, non. Ouais. Si. Ah, je joue des deux pieds. Si. Ah, tu gauche, il est nul mon gars. Bah vas-y, tu veux que je te montre après? Tout à l'heure il a mis une belle frappe. Ouais. Gauche. Voilà, alors chute. Hein. Il a mis une carte. T'étais pas là, j'ai mis des belles frappes. Deux frappes, on verra. T'es pas là. Ouais. Vas-y, bah je joue attaquant en droite et gauche. Mon club c'est Monte Bornala et j'ai pas de surnom. Si, j'ai Hamilton. Hein? Hamilton. Ouais. Ok. Ensuite. Bonjour, je m'appelle Kassim, j'ai 11 ans, je joue en U12 à l'AS Monaco. Je joue depuis petit. Mon premier club c'était la Stam. Et je suis des deux pieds. C'est vrai ça? Oui. Oui. Et mon bon pied c'est le droit. Celui-là que j'ai appris le celui-là que j'ai le premier c'est le droit. Mon surnom c'est Dembélé. Et le voleur des chaussures? Non. Non. Ouais, non, lui c'est le voleur des chaussures. Non. Dembélé, voleur des chaussures. La victime, c'est lui. Moi on dit que c'est pas du pied gauche, mais je tire bien. Je sais pas, moi j'ai pas vu. Mais oui, mais ils étaient prêts. Moi j'étais là, mais lui il avait eu peur quand t'as tiré. J'allais mettre une lucarne en plus. Ouais, c'est pas présenté. Allez, donnez-lui le micro. Allez. Entre là, regarde. Allez. Ah là là. Bon ben moi c'est Jacques Distasio, j'ai 19 ans, j'ai joué en 19 nationaux à Nice et à Cannes et là pour l'instant là je suis sans club, comme ça je suis libre de tout contrat. Alors en même temps c'est une offre d'emploi qui... Alors vas-y. Donc
Les clubs, si vous regardez la vidéo, je suis libre. Je suis libre. Allez sur mon Instagram, jako-dst. On est bien pas tant. Et vous allez voir mon potentiel sur YouTube. J'ai une bonne vidéo. Quoi. Bon, ça va. Alors, comment ça se passe ton début de stage avec les jeunes là? Ben, mon début de stage, c'est eux qui vont vous le dire. Hein. Comment ça se passe? Mon ressenti à moi. Mon ressenti à moi, c'est que ça se passe très bien. Les petits, ils mettent ils mettent de, comment dire, de l'envie, de un peu de tout quoi. C'est pas, ils sont présents, ils se donnent du mal, ils veulent progresser. Et il y en a beaucoup qui progressent et qui ne se rendent pas compte encore. C'est sur le terrain qu'ils s'en rendront compte, je pense. Ouais, t'as un bon groupe là. J'ai un bon petit groupe. Les gars, et vous alors, qu'est-ce que vous pensez du coach? Il entraîne bien. Il est où le micro là? Il manque un micro. Moi. Il fait des bons exercices, il tire bien. C'est bon. Il nous entraîne bien. Je passe le micro à quelqu'un d'autre. Ouais. Je donne le micro, envoie-le. Tiens. Capitano, alors vas-y. Moi je trouve que notre coach il est plutôt bon. Il entraîne bien, il sait quoi dire au bon moment. Et puis c'est un bon entraîneur. Hein. Ouais. Ah, il a quelque chose encore à ajouter. Quand on fait des mouvements pas très justes, il nous corrige. Il est attentif à ce que vous faites. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un exercice qui vous a marqué depuis le début que vous avez kiffé de fou? Les duels quand j'avais défoncé contre... Défoncé. Et quand j'avais mis le double petit pont, j'avais aimé. Bon, alors vas-y, on va commencer à allez, raconte-nous les russes. J'étais un... Qui a été ta victime? Qui? C'était... En fait c'était un contre un. Ouais. Je commençais avec la balle. Vous me dites si tu dis la vérité, hein? Oui, il dit la vérité. Ouais. Et à un bout d'un moment j'avais la balle, je l'ai dribblé, j'ai mis un petit pont, j'ai continué à avoir la balle. Et en même temps que j'ai mis l'autre petit pont, j'ai marqué. Est-ce que c'est vrai? Oui. J'ai mal à cette. Ensuite. Moi, ma victime, c'est Noah. Noah. Quand l'entraîneur il avait fait la passe, j'ai mis un petit picot dessus de lui et j'ai contrôlé et j'ai fait la passe à l'entraîneur sans qu'il touche la balle. Je vais essayer de... Le prochain contact, je t'attends, attention. Mais tu voulais rien faire, c'était l'entraînement. Ouais, dis, je te laisse. C'était l'entraînement, non, sérieux. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes, là? Je crois qu'on a une bonne. Je vais raconter pourquoi on m'appelle le cher Claire. Parce que ma victime, c'était Kinder Pingui. Non, c'est moi. Toi, t'étais avec lui. Mais là, je te parle avec Kinder Pingui. Alors, il y a Kinder Pingui, au début, tout se passait bien, je mettais des buts, tout bien. Et quand on devait passer au mode défensif, j'arrivais pas à prendre la balle. Et ça me saoulait. Et à un moment, je lui ai mis un très très gros tacle. Non, mais pas très gros que ça. Après, il est resté genre 5 minutes sur une chaise de plage. Et voilà, c'est tout. Et t'es content? Ouais, j'adore, je suis trop content. J'étais bien défoncé. Non, mais moi j'ai rien à dire, tu vois. Mais j'ai rien à dire. Ok. Bon, nickel. Est-ce que vous avez. Ah, on va parler du match d'hier. Attendez, il y a eu un match hier. Oh non. Ouais, on a gagné. Match hier. Non. T'es pour l'OM. Ah ouais. Il est pour l'OM et à Paris. Moi je croyais qu'on parlait du. C'est pour rien. Je crois qu'à Sim, il a quelque chose à dire apparemment. Le micro. Je voulais dire Mbappé, il est trop fort, il a marqué, il est resté 30 secondes. Il est fort. Il est éclaté, ouais. Non. Mbappé, attendez, donnez le micro. Mais lui, c'est le Real, lui, c'est ça se voit. Il a la rage. Paris, je peux pas me les voir. Voilà. Il est à Nice, hein. Et voilà, Nice. Voilà.
Paris. Enfin, c'est à chaque fois la même chose. C'est à chaque fois en fin de match qu'il marque. Par exemple contre Rennes. Contre Rennes, il se faisait. Rennes avait les plus belles occasions. Et comme par hasard sur la fin, bah voilà, ça met un but. Oui, certes, la Paris méritait de gagner. Mais il défendait bien le Real. Le Real, il défendait bien. Oui, mais le Messi, il avait 15 de points. Messi, je suis pas d'accord sur ce que tu dis là. Messi, plus la merde. Messi, en plein penalty, il a raté le penalty. Ça m'a énervé. En même temps, il fait 3 mètres. Mais il est plus fort que toi. Il a 34 ans. Ouais, mais quand même, faut pas rater un penalty. C'est pas bien. Il veut pas cadrer un penalty. Qui veut dire quelque chose d'autre? Bah, si ça arrive, Moi, je veux parler. Il a raté un penalty. Bah, moi, je dis que le Real, ils pouvaient gagner, mais ils sont pas. Il y a le match retour. Arrête, toi, tu forces. Bah, ils doivent. Le match retour. Ils doivent mettre 2 buts à l'extérieur et c'est bon, ils gagnent. Sachant qu'il y a deux joueurs du Real qui sont suspendus au retour. Il y a Ferland Mendy, Casemiro. Non, pas moi. Parlez pas tous en même temps. Bon, c'est bon, on a fait le tour. Yes, aïe. Non. Allez, l'OM. Allez, Isa. Non, elle est Paris, ouais. Juste un truc. Je trouve que mon ami là, et Noah ici présent, entre parenthèses, Timout, il arrête pas de me dire que je suis un footix parce que j'aime bien Paris, parce que depuis tout petit j'ai adoré Paris et j'étais pas trop pour Nice parce que à ce moment-là ils étaient éclatés, faut le dire. Mais j'adore Nice. De toute façon, j'adorais Nice, mais tout le temps on se faisait fumer par Paris. Excusez-moi, regardez, il est fan de Paris, regardez le survêt qu'il a. Ouais. J'adore Paris, mais j'adore aussi Nice autant. Ils sont bons cette année. Oui, ils sont très bons, mais voilà. Mais ils étaient claqués avant. Qu'est-ce qu'il m'a sorti? Il me dit, il est bon, j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Ah, je me suis trompée. Et après, je sais pas, ça, pour tous les gens qui aiment Paris et qui se prennent pour des footix et qui se font insulter par Timout, soyez forts. Et aussi, mon TikTok, c'est Zezu Kochan avec un démon, je te jure. Ouais, je sais pas, ouais. TikTok, Instagram, allez. Tiens, regarde, Christian. Tiens. Non. Vas-y. Voilà. Je veux pas donner mon snap, moi. Non. Tiens, moi, je veux pas non plus. Tiens. Moi, je dis pas, moi, t'es fou. Tu vas tout le monde va t'ajouter, tu vas gagner de l'argent. Ils vont tous s'abonner. Venez tous à l'Académie Nice. Mon Insta, c'était Oscaroni-Pepito. Ouais. Ouais, on est là. Mais c'était pour toi que j'ai... Ouais. Et ajoutez l'Académie Nice Football sur Instagram. Allez, nickel. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Mettez-vous le long de la ligne de touche et vous allez faire les spectateurs un peu. Vous allez les encourager. Là, ici, là. Allez les jaunes. Là, mettez-vous là. Allez, faites en ligne, faites les supporters. Allez. En ligne, là-bas, sur le côté. Allez là-bas. Allez en ligne. Et là, reste là, tu vas où? Là ici, là en ligne, là, et qu'on fait un beau truc, allez.
Allez, je veux voir des supporters chauds là, allez, allez. Allez, allez les gars, faut les encourager, allez. Allez, 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 Alors comment ça se passe le match les garçons, dites-moi. Allez, Jordan, bon. 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 Sorti. Allez, Jordan, bon. Allez, là ils sont bouillants, hein. Ils sont bouillants. Écartez-vous. Ouais, les supporters, comment ça se passe? Il y a de l'action. Là ils sont vraiment dans le vrai là. Allez, 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 allez. Cherche le pied. Voilà, seul. Voilà, c'est là. Baptiste, là, demande, bien joué. Oh, belle qualité de passe, hein. Bien joué, ah oui. Il est bon, hein. Bien joué. Ah, deux, vous êtes là, tous les deux, là. Allez, c'est la patience, c'est le secret de la réussite. Quand vous allez être patient, vous allez réussir. T'as une petite question, mon grand? Oui. Bah, vous, c'est quoi votre talent, s'il vous plaît? Mon talent à moi?
Bravo.